Yo tout le monde, ici Mutsu! Vous êtes sur Immersive TV, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en aparté, voilà, sur notre saison 5 sur Arc. Avec Guigui, on a bien déliré, on s'est bien amusé sur un petit délire qu'on a eu. Et on a voulu vous faire partager ça en vidéo. Donc voilà, une petite vidéo sans prétention, pour vous faire plaisir. J'espère que vous allez vous marrer autant que ce que nous on s'est marré. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, les amis. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur Immersive TV, je suis Mutsu et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une petite vidéo un petit peu plus tranquille que d'habitude puisque nous sommes dans les premiers carnets de l'aventurier. Et carnet de l'aventurier c'est quoi? Eh bien c'est un petit reportage dans lequel nous découvrons quelque chose de sympathique, quelque chose qui a le goût du sud, du piment d'Espelette. Et aujourd'hui donc pour ce magnifique reportage, nous nous retrouvons chez Guigui, notre scientifique fou, qui nous a gentiment invité dans sa demeure pour le retrouver pour parler de sa passion. Je vois qu'il est là, bonjour Guigui, comment vas-tu? Salut mon ami. Bonjour, comment ça va? Ça va, super bien et toi? Ça va impeccable, le plaisir que tu sois passé pour que je vous parle un peu de ma passion. Mais oui, pour ce Manta premier. Le Mantaré Surfing, voilà, excuse-moi, pour ce premier carnet d'aventurier. Jojo, complètement fun, mais je te propose d'abord qu'on va se prendre un bon déjeuner. Bien sûr, bien sûr. Ça va nous servir de prendre des forces. Bien sûr, bien sûr. Merci de nous accueillir dans ta magnifique demeure d'ailleurs. Ah, mais tu vois, ça c'est fin chouï. Oui, c'est fin chouï, c'est vrai. J'aime beaucoup la décoration, c'est vrai que c'est très sympathique. Très bien, très bien. Oh, magnifique cheminée. Je prends place, hein. Puis-je? Assieds-toi, je t'en prie, mec. Merci. Guigui, déjà, un grand merci de nous recevoir donc dans ta magnifique demeure. Superbe chaise. Superbe chaise. Je suis vraiment super bien assis. J'ai les fesses bien molletonnées, je suis super bien. Ouais, j'ai fait ça en pot de phoque, mec. Ça m'a coûté un max de thunes, mais tu vois, j'aime bien vivre dans l'eau pilon en ce moment, mec. Tu as bien raison. C'est vivre. Tu as bien raison. Alors donc, je disais qu'on était venu ici pour parler de ta passion, hein, puisqu'en dehors de ton travail, donc rappelle-nous rapidement, pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, quel est ton travail? Ouais, bah j'étais chercheur pour la parapluie. Ouais, mais, la parapluie, mais, ok. Les éprouvettes, ça me fait chier, quoi. Les éprouvettes, ça te fait chier? Ouais, moi mon vrai kiff, tu comprends, c'est le ride, quoi. Je comprends. C'est le swell, mec. Ouais, je comprends, pour un chercheur, quand les éprouvettes te font chier, effectivement, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Et donc du coup, comme je disais, on est là pour que tu nous parles, mon cher Guigui, de ta passion, outre donc les éprouvettes, la science et les retouches génétiques sur les dinosaures. On est là pour que tu nous parles un peu de ta passion. Je te laisse nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, et nous donner surtout le nom. Puisqu'il paraît que d'ailleurs, tu en as fait une compétition nationale. Le mantaré, ouais, mec, ouais. Ouais, le manta jet surfing. Si c'est dans l'ouest ou dans le south. D'accord. Écoute, moi, ce qui m'est parvenu aux oreilles, c'est que ça s'appelait le Manta Jet Surfing. Ouais, exactement, mec, tu vois, c'est être en harmonie, ouais, avec l'océan. D'accord. Tu vois, donc faut choper une grosse raie. Ouais. Tu vois, mais vraiment une raie, mais bien charnue. Une bonne grosse raie. Et une fois que tu l'as bien tamée, faut bien la tamer, hein, faut ouais, bien tamer la raie. Ok. Et ben, ça a consisté, en fait, à lui mettre une selle dessus, tu vois. Et d'accord. Après, ben, tu la chevauches. Ouais. Ouais, tu vas te la cheveux, ouais, dans le swell de la mer, comme ça, tu vois, mais comme ça, comme un jet ski. D'accord. Ça a l'air absolument exceptionnel. Et donc, ah, du coup, du coup, d'aucuns disent que c'est une compétition aussi, un sport qui serait assez dangereux. Ouais, mec. On va avoir besoin de mettre des protections, tu vois. D'accord. Ok, c'est génial. J'imagine que tu as tout le matériel nécessaire. Des genouillés. Ah, ouais, je te Ok, sais génial, génial. Et bah écoute, alors plutôt qu'un long discours, peut-être qu'on pourrait aller voir un petit peu de quoi il s'agit de plus près. Mais je suis tout à fait d'accord, hein. Très je vais bien. T'amener, on va aller s'équiper et après on très va bien. Excuse-moi, je suis debout sur ta table, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave, mec. Ok. Allez, viens, suis-moi. Ok, bah je te suis. Ouais, j'imagine que tu vas pas faire ça en slip, je te laisse te changer. Donc la maison, c'est toi qui l'as fabriquée? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un architecte de mon père qui a fait ça, tu vois. C'est d'accord. Que des poutres de séquoia véritables. Ok, d'accord. Ça doit coûter bien cher, ça aussi, non? Ouais, ça c'est au pilon, tu vois. D'accord. Tu as dépensé sans compter, j'ai l'impression. Exactement. Ah, ouais, bien sûr. Pour cette île. Comme toujours. Donc, alors, est-ce que. Non, attends, je vais y aller. Ah, oui, effectivement, on a tout ce qu'il faut. C'est génial. Écoute, je pense que c'est bon, je suis équipé.
Bon bah nickel. Bon bah viens, suis-moi. Toi je te mets un peu le matos du débutant, tu vois. Ouais non mais attends, je comprends, parce que si jamais je meurs avec, ce serait con de le perdre. C'est super important. Je comprends. Attention là, la cheminée. Toujours éteindre la cheminée. Effectivement, avec une maison en bois, ça peut servir. Ouais exactement. Ouais bien sûr. Tu fais quoi? Je vais sortir par ma fenêtre. ça c'est complètement wild. Ça. Il sort par sa fenêtre et pas capté que c'est sa fenêtre, c'est une porte. Ah ouais putain, effectivement, tu en es là quoi. C'est complètement wild. Ouais mec, l'eau salée, ben des fois. ouais ça fait des effets assez particuliers, je vois. Donc là tu vois, voilà la bête, tu vois, ça c'est la bête, c'est la manta. Ah elle est magnifique. D'accord, tu vois. Elle est magnifique. Elle est géniale, ouais. Un choupette de pute. Ah, t'aimes ça, hein. Ah d'accord, tu les traites... Tu t'approches doucement vers elle. Ouais. Tu lui chantes à l'oreille, papagayo. Et tu montes dessus comme ça, là, et là, tu l'amènes dans la mer, ok. Ah, ok, d'accord. Et là, la bête est dressée. Très bien, très bien. D'accord, donc je te laisse prendre position. Alors attends, ce que je te propose avant, c'est qu'on regarde un petit film que tu as fait, pour promouvoir... Le sport. Ouais, on va passer ça tout de suite à nos chers téléspectateurs. Donc et prépare, okay. Voilà, exactement. Allez, chers amis, donc on vous met le petit film promotionnel pour le sport donc de Guigui. Et on se retrouve juste après, quand je serai prêt pour partir faire le grand saut. Party ride, it's all in my loop. Tu aimes le swell, tu aimes l'océan, tu aimes la raie. Eh ben viens faire mon sport favori, le Manta Jet Stream, mec. C'est le sport à la mode en ce moment. Viens donc et suis-moi dans mon élément. That motherfucker. Eh ben yeah. Et donc voilà les gars, c'est ça ma passion, faire des conneries avec des remontas. Wouh, vive la. Bah écoute mon cher ami, superbe spot publicitaire. Guigui. Ouais mec. Ouais, superbe spot publicitaire, je disais. Oh, donc. Excuse-moi, j'ai entendu un oiseau et je tends toujours l'oreille quand les oiseaux me parlent. Il n'y a pas de problème, je comprends. Je comprends. J'ai envie de me marrer, c'est toujours ouais, marrant. L'arrêt n'aime pas être sur le sol, tu vois. Alors tu vois, explique-nous un peu. Bah écoute, ouais, après avoir visionné donc cette magnifique petite vidéo que tu nous as faite, j'ai pris connaissance un petit peu des manettes. Un petit peu de l'arrêt donc que tu nous as fourni pour cette donc ouais, pour ce petit reportage. Ok voilà, j'allais dire explique-moi un petit peu les fonctionnements basiques de l'arrêt. Donc bah, tu avances l'arrêt. Ouais. On va pas accélérer, on va la garder à arrêt réduite. D'accord. Et ce qui est très important, tu vois, c'est que hop, tu peux la faire sauter, ça fait un saut de raie. J'ai l'impression que ma raie est très rapide par rapport à la tienne. Ah oui, le saut de raie. Parce que j'appuie doucement, tu comprends. Ah oui mais j'ai pas le d'accord, j'ai pas la possibilité de faire ça moi. Ah si, remarque si. Voyez l'arrêt. Ah attention. Ok, bon. D'accord, c'est assez oui, ça demande une certaine maîtrise quand même mon cher Guigui, j'ai l'impression. Oh là là, magnifique saut doré. Merci, j'ai fait un petit slide de hop 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 merde. Oh elle l'aime pas. Oh là là, aïe aïe. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je sais qu'elle, j'imagine qu'elle doit pas aimer être trop hors de. J'ai invité, alors tu vas me suivre, mec, ok. Ouais. Et tu vas kiffer le ride, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Hop, et là, on jump. Pour gober, tu vois, hop, voilà. Ah, oh, je suis passé au-dessous. Ah, oh, je me suis pris le pont dans la tête. Ok, c'est pas grave, tu continues. Hop, là, tu rides un peu, là, hop, là. Ah, effectivement, je vais essayer de sauter par-dessus le pont. Oh, je suis passé, mon ami. Oh, okay, quel saut magnifique. Et là, tu jump. Oh, c'est magnifique. Oh, la sensation. Oh, super. Magnifique, ça y est, tu as tout conclu à l'arrêt. Je crois que je suis tombé amoureux de ce sport, mon ami. Hop là. Ouh. Faire des ollies par-dessus son camarade, tu veux. Parfait. Wow. Ok, alors, il paraît que... Oh bah je vois qu'il y a d'autres raies sauvages ici. Ouais. Il paraît que tu as fait un système aussi très sympathique pour remonter donc jusqu'à ta maison. Ouais, tu vas voir, c'est un système... Hop là.
Breveté. Breveté, d'accord. Ouais. Ouh. Hop là. Révolante. Et hop. Hop, et là tu te mets dans le TB, tu vas. Ouais, ah, je vais essayer de venir. Ah, je crois que je suis passé. Ah ouais, je suis passé, juste attends. Bah ouais, tu maîtrises totalement l'art de l'arrêt. Écoute, j'ai l'impression que peut-être j'ai fait ça dans une autre vie, qui sait. Hop, hop, Flying Ray. Hop, ah, là, je suis coincé. Alors c'est pas grave, je prendrai le premier. Hop là, ah non, j'ai presque réussi. Écoute, hop, en tout cas, c'est fort sympathique. Et du coup, tu peux remonter. Exactement. Et le faire à volonté après. Alors, tu vois, là, on va te mettre une GoPro, mec, sur la tête. Ouais. Et comme ça, tu vas pouvoir spectate un peu à tous nos amis, mais un inside, ok. Donc fais-toi plaisir, mec, vas-y. Ok, c'est parti. Bon, on va vous faire ça sur fond de musique, je pense. T'as toutes les bases, ouais. Et vas-y, puis, les amis, je pense que du coup, ce sera la dernière prise de notre reportage. Avec Guigui, donc scientifique fou, mais aussi Manta, jet surfer à ses heures perdues. Guigui, merci beaucoup à toi, en tout cas, pour le temps que tu nous as consacré. Ton prix, n'oublie pas qu'à ta chute, regarde en l'air et j'arriverai. D'accord, okay. Pas de problème, ça marche. Okay. Ok, génial. Merci beaucoup Guigui, merci à tous de nous avoir regardé pour ce petit épisode des carnets des aventuriers. On va se laisser sur fond de musique avec quelques petits sauts de notre meilleure crue. On vous dit à très bientôt, ciao tout le monde. Allez, salut Jet. Let's do it, mon ami. Alright, rock and roll. Wouhou ! Oh le caillou ! Oh oui ! Oh j'ai pas réussi à rebondir dessus. Bon bah là maintenant on se fait des jumps et... Oh là, je passe pas. Oh je saute. Oh je remets dessus. Et non. Oh lol. Oh là là. Oh, ça, on va pouvoir faire des figures freestyle. Oh il est beau celui-là. Comment ça ? Tu as réussi à t'enlever, à t'en remettre. Arrête ça. J'ai dégravé. On peut faire ça. C'est énorme, vas-y, c'est énorme. On va essayer. Putain. Il a fait un super mal, le mec. Ouais. Faut partir juste de là, ça suffit, non? Ouais, mais vas-y, à ton honneur. Tu fais des Superman. Tu vas voir. Merde, putain, j'ai mal pris le saut. Pas grave, c'est pareil. C'est énorme, Superman. Merde, ah non. Putain, j'ai fait le con. Oh putain, Superman. Reste en boîte. Non, elle est où? Elle est là, Marie. Elle est là. Je retombe dessus, freestyle. Ah, c'est excellent. Oh. Oh. Complètement badass. Oh yes. Yeah baby. Oh bien joué putain. Oh c'était énorme. Je suis passé. Oh, c'est magnifique. C'est dommage, il y a des nuages. It's a new world record. Merci beaucoup au public. Badass. Elle va se fermer, je pense, là, non? Vas-y, t'en fous, tente. Non, mais je sens qu'elle va se fermer. Allez, vas-y, confiance. Voilà. Oh, elle se ferme. J'avais raison. Putain, j'avais raison.